On est de retour à la draft des rap contenders. Je suis toujours avec mon garçon de maison Stunner. Et on est là mon gars. Dernier battle de la draft. On est de retour la semaine prochaine avec le rap contenders 2ème édition. Bad Sam sera à notre côté, chronomètre et tout mon gars toujours. T'inquiète pas. Là aujourd'hui on a le dernier battle. Il va opposer un nouveau membre de l'entourage. Si ça continue comme ça, on va devoir appeler ça l'entourage contenders. Mon gars, ils sont trop forts. Et un 91 représentant. Je vous préviens, jamais en boy de ce barbu, président de la fraîche attitude, et qui est super Bangala. Et je suis aussi mauvais que Jerry Wing. Eh ouais, I'm a bad motherfucker. Normal. Bon, sans yes. Encore, tu peux pas passer à ce là. T'es à droite, tu choisis ce qu'il nous fasse. Moi, je suis Vincent. C'est pile. Tu choisis, tu commences. On va peut-être vous présenter avant. Je vous présente. À ma droite. Yo, Gizmo 92, l'entourage en long, en large et en travers de ta fucking gorge. À ma gauche. Armstrong 9-1, Badales Production. Aïe, elle sort le cycle, ça. Ok, vous connaissez les règles. Une minute. Vous êtes prêts? C'est parti! Ce PD m'a appelé, m'a dit strong, me baffe pas. Le clash, c'est un job, mais ce schlag ne taffe pas. Il parle de kilo, il bédaffe pas, il crapote. Je le baise à quatre pattes avec quatre potes dans mon 4x4 sans capote. En plus de ça, mec, ça se voit que ta paire est falche. Je suis un keuf taré direct, ça se voit que t'as pas les faf. Cet alcoolo monte sur scène avec des canettes de bière. C'est un cam et ce mec, je le fumais fastoche comme une camelle de mer. Gizmo a dit à son père, achète-moi un string, Samira. Papa, pourquoi tu m'as pas appelé salope ou Samira? T'es mal les jeans, tu lui vois pas, ça se voit que c'est celui de son zinc. Mec, t'as la même vieille dégaine qu'une Peugeot 205. Dis au public avant le clash, tu voulais finir mini keuf. J'aurais dû amener mes petites nièces, voici le Renoir des mini keufs. Mec, Gizmo, l'Eskimo, excuse-moi, c'est Kismo, qu'est-ce qu'il vlo. Lave-toi. Ta bite est plus poilue que la forêt du bois de Boulogne. Un conseil, casse-toi et rase-toi. C'est parti. Yo, pour commencer, je dirais que j'ai trop de phases d'avance. Donc va t'aige tes flots. Je sais pourquoi tu pèses tes mots, car t'es une sale balance. Ouais, yo, yo, tu parles de business, mais t'es un homme casillonnais. Et ouais, j'ai vu ton clip vite F devant ta zone pavillonnaire. Yo, 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 ce soir t'as voulu défier le boss, mais tu vas prendre ta gifle. Y'en a qui disent que le rap c'était mieux avant, moi je dis que c'était juste mieux avant que t'arrives. Yo, pis faut que je te parle de ta meuf. Tous ces textos me fatiguent. Elle me dit qu'elle en a marre de tes grosses babines et des pecnotatimes. Allez, t'as quelque chose à dire? À part chez moi, c'est chaud, ça tire. Menteur, menteur, tu côtoies les ghettos de Paris que quand tu pécho de la weed. Yo. Puis juste pour voir, j'ai écouté plein de tes sons. Parler de cité, c'est bien, mais bon, vu que j'ai niqué quelques femmes de ta famille, je suis peut-être un de tes oncles. Un peu de silence, s'il vous plaît. Gizmo, ferme ta chatte, il est grand temps de se taire. Sa mère est devenue milliardaire depuis qu'elle taffe à la grande banque du sperme. T'es aussi déformé que ma Xbox. Ton son ne tournera même pas dans une jukebox. Et petit Tox, dis-moi, ta famille vit-elle toujours dans ce petit box?
Ce mec, si moi je te crois, il sort de chez lui, toutes les putes font Zarma te faire du stop. Donc arrête de faire du style ou de faire ta star, on sait que t'es qu'une faible du string. Mec, t'empêches l'alcool à des kilomètres. Je t'ai vu devant boire 5 Ballantines. Normal, ça va. Je t'ai vu dehors comme un schlag à boire 5 tailles de Ballantines. Sa meuf se fait tourner dans nos caves depuis longtemps pendant que ce PD croit encore à la Saint-Valentine. Dis-moi, c'est quoi ces chaussures? C'est des Puma, des Nike ou des Nike? Si c'est des Nike, tu ne pourras pas dire qu'elles ne sont pas niquées. Car elles ressemblent à un banana pourri ou à un panini de Paris. En tout cas, elles nous ont bien fait paniquer. Yo. Hey yo, faut juste que je parle de sa meuf à celui-là, parce que ça sert à rien de flamber ou bien de faire ton boss quand tu galères avec tes potes, ta meuf flèche mon torse. Yo, elle dit que c'est moi qu'elle préfère, elle aime me textoter. Elle esquive même ses frères pour se faire sauter. Yo, pour info, des fois, je lui bouffe la schneck, je lui mets ma bite dans le trou. T'es pas content? Je te coupe la tête, puis je te chie dans le cou. Avec moi. Yo. Non, c'est vrai que c'est marrant. Yo. Avec moi, elle perd ses repères. Elle n'a pas l'habitude. Je lui mène la vie dure. Elle sait que j'ai l'habit rude. Yo, mais malgré tout ça, elle veut pas me quitter. Son cœur, je fais palpiter. C'est l'effet d'y acquitter. Yo. Hey yo, elle sait où est le vrai. Le nec plus ultra. Je lui dis, donne tes fesses une levrette plus une claque. Poto, rends-toi à l'évidence. Je t'ai piqué ta meuf. Et tu la vois moi souvent depuis que je lui ai kické la seuf. Yo, et le jour où tu la prends, c'est les prises de bec, mais pas la haine. Gizmo, c'est plus son style de mec. On a couplé, ce PD a parlé que de ma meuf, mec. Normal. J'ai parlé de ta mère. Ouais. Hey, je connais Gizmo. J'ai la barre quand je vais là-bas. Sa daronne en dit là-bas, c'est trop bien, tiens, c'est Djenaba. Juste mieux les hommes des hommes de l'Essonne que la mère à Gizmo, c'est que 5 dollars, c'est encore, c'est les soldes. Mec, ton visage est si bizarre que Picasso ne pourrait même pas te peindre. Chez toi, il n'y a même pas de pain. Je sais pas comment ton père a fait pour niquer ta mère, elle n'a même pas de sein. Pareil qu'il a 19 ans. Mais c'est quoi cette tête de vieux? C'est quoi cette tête de vieux? Dis-nous franchement, ça fait combien d'années que t'existes? Ton haleine a failli tous nous mettre dans les vapes. Dépose ton CV à l'hosto, il recrute des anesthésistes. J'ai envie de te donner. Dis-moi, Stunner t'a invité ici aujourd'hui pour que tu fasses rire, mais t'es pas drôle. Tu fais le mec Zarma qui clash, qui rappe, mais tes propres potes disent que quand ça se tape, t'as pas de rôle. Ce soir, faut que ton entourage t'encourage. T'as tant de courage. Monte ton torse, tu vois qu'il y a mon blaze en tatouage. Aïe, Scarlogan. On est arabe contender là, c'est pas des gains ton style, ma mère. Ça fait, écoute. Yo. Dis-moi quand je le tue là. Bah, c'est parti, hein. Yo, t'as remarqué, autour de ce clash, il y a eu trop plein d'enchères. Normal, ils voulaient tous voir un vaurien prendre cher. Yo, et tous tes copains gangsters. En vrai, c'est tous des salopes. Genre, ils exhibent des liasses sur les photos Facebook. Mais moi, je sais que c'est le flouze des allocs. Oh
Yo, quant à toi. Yo, quant à toi, tu joues le clubber. Genre, je connais le physio de l'acropole. C'est peut-être vrai, mais quand je te baisse, tu me dis qu'ils se montent pas trop fort. Yo. Yo. Puis j'ai un minimum de respect, donc je vais pas parler sur tes nièces. Fuck, si. Yo, hier j'étais avec une d'entre elles, je l'ai baisée puis je lui ai craché sur les fesses. Yo, t'es arrivé ici en pavanant. Tu vas repartir en cavalant. Non, 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 non. En avalant. Yo, écoute, yo, 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 en avalant. Quand j'aurai craché mon jus. Pour l'instant, il me reste encore un peu de temps pour taper ton cul. Yo. Yo, zéro. Pour taper ton cul, tu sais pas clasher. À vrai dire, tu sais pas rapper non plus. Un jour, il a dit à ses potes, les gars, je vais percer. C'est tard, ils l'ont cru. Yo, 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 yo. Bon, on se revoit la semaine prochaine avec les Rap Contenders 2. Et non, on va voir les juges d'abord. On va voir les juges. Comment les mecs étaient bons, donc ils m'ont désorienté. On va voir les juges, j'en reviens. Easy, easy. Oh. Franchement, c'était un battle de dingue, dingue, dingue. Comme j'ai dit, normalement, c'est nous la draft, c'est eux les vrais. Mais techniquement, comment ça s'est passé? Moi, je pense que premier round, Aaron Strong, en plus, t'es là. Donc Aaron Strong, t'as bien donné ça. Je pense que t'étais confiant. Parce que la dégaine du type, franchement, la dégaine de Gizmo ne laissait pas présager l'enfeu. La dégaine de Gizmo ne laissait pas présager l'enfeu. Donc lui, il a donné ça, il était en confiance. Mais je pense que... Quand Gizmo a répondu, il avait du coffre, il était là. Donc on a tous été surpris parce que par rapport à, comme je disais, à son petit gabarit et son petit style un peu flottant. Donc ça déstabilisait Aaron Strong au deuxième round. Quand Aaron Strong est reparti, il était en dessous. Ça flottait un peu et là, Gizmo est arrivé. Il a tué surtout dans le deuxième round quand Aaron Strong lui parle des tailles, machin. Là, Gizmo, il assume en plus son truc. Donc voilà, Gizmo, punchline, c'était travaillé, il a joué son personnage. Et plus de créativité chez lui, pour moi il n'y a rien à dire. Même si Aaron Strong était très bon, Gizmo l'a emporté ce soir. Big up Gizmo, big up, big up. Yo, what up, c'est le boy Pen. Clash de dingue. Aaron Strong, Gizmo, l'entourage et un mec du 9-1, c'était un délire. Hey, les mecs, ils sont du niveau de ouf. Je dirais, premier couplet, je la donne à Gizmo. Premier, je le donne à Gizmo. Le second, j'irai taille. Et le troisième, Gizmo. Moi, je donne ma voix à Gizmo, puisque il a fait du taf. L'autre, il était très bon, insolent et tout, mais Gizmo, je préfère plus Gizmo. Il a... Voilà, quoi. Il a fait un bon truc. C'était tight. Franchement, il y a du niveau dans le draft. Big up. Allez, Pio. Yo, c'est Srinpo. Alors là, c'était le clash entre Aaron Strong et Gizmo. Bon, bah, il y avait du lourd des deux côtés, mais honnêtement, Gizmo, il était sur une autre planète. Le coup du chitoshi dans le cou, c'est juste un classique, voilà. Donc Gizmo, ma voix, elle va pour lui. C'est chaud. Le résultat, le vainqueur de ce battle, Gizmo. C'était bien. À la semaine prochaine, Rap Contenders 2, et ça va être chaud, ça va être le feu.